Pour voir comment gérer les photos dans Facebook. Pour cela, quand vous êtes sur votre page personnelle, sur votre mur, vous avez un bouton qui s'appelle photos. Les photos apparaissent comme ça. Elles sont classifiées par album. Il y a plusieurs albums, vous en créez autant que vous voulez. Là, il est en train de charger. Vous avez plusieurs albums. Cet album-là est créé automatiquement quand vous mettez des vidéos. Les photos à l'une, on va voir, c'est les photos, cet album-là est créé automatiquement quand vous les mettez dans l'entête de votre profil quand ça apparaît. Créé automatiquement quand ça provient de votre mobile. Les photos du journal, c'est les photos que vous avez rajoutées au fur et à mesure sur votre mur. Les photos de profil, c'est les photos que vous avez mises au fur et à mesure quand vous avez changé votre tête. Album sans titre, on peut le modifier. Photo couverture, c'est ce qu'il y a dans la racine. Et là, on a un certain nombre de photos qu'on va pouvoir réorganiser parce que vous voyez, c'est un petit peu brut. Bien. Pour organiser ces photos, on peut créer un album. Et pour cela, on va aller chercher, par exemple, je vais chercher des photos que je vais rajouter. Je vais prendre ça, ça, ça. Ça, voilà, et je fais ouvrir. Donc je peux sélectionner en cliquant sur la touche contrôle plusieurs photos pour éviter de les faire une par une. Il est en train de me les télécharger et là il faut mettre un album. Donc travail dans le cadre de mes formations, par exemple. On peut dire où c'est, Toulouse, voilà, haute définition, ça évite que les photos soient compressées, on a les photos qui sont arrivées, et on clique, on vérifie, on peut donner les droits, le titre là c'est être public, et on clique sur publier. Voilà, donc là on a ces photos là, et là ça m'a rajouté un album supplémentaire qui est ici, dans lequel il y a mes photos à l'intérieur.